Bien le bonjour, chers amis, et soyez les bienvenus dans Telle est la Suisse. La forêt couvre un tiers du territoire suisse, et vous êtes certainement nombreux à vous y rendre fréquemment. Alors, des arbres vieux de 200, voire 300 ans, vous n'en trouverez pas dans chaque bois. Mais la commune de Beaume, où nous nous trouvons aujourd'hui, en protège plus de 7000 sur les quelques 1300 hectares de forêt qu'elle possède. Pour nous présenter ce magnifique domaine, nous pouvons compter sur un garde forestier avec qui on prendrait volontiers racine. Il n'a pas la langue, ni la gueule de bois. Telle est la Suisse, avec Joël de la Créta. Regardez! La forêt de Beaume, elle comporte 1634 hectares avec des pâturages, des forêts et quelques privés. Je m'occupe de ces forêts depuis 2001, donc ça fait 18 ans que je suis là en place à la commune de Beaume. L'avantage des forêts de Beaume, c'est qu'elles sont d'un seul tenant. Hein, elles partent depuis la plaine, 600 mètres d'altitude, jusqu'à 1500 mètres le sommet des Aiguilles. Elles sont limites avec la France aussi, donc on traverse vraiment la chaîne jurassienne. Alors on part avec, dans les forêts de Ferty qui sont à côté du village, on a beaucoup de chênes. Et puis on monte avec des pins crochets qui sont accrochés aux aiguilles, mais qui sont dans une réserve naturelle. Là, donc on n'y fait rien du tout, nous les forestiers, juste de la surveillance. Et puis on arrive avec des bois ici à la limace ou bien dans les forêts de Prayel, où on a des bois qui peuvent être considérés comme le bois de résonance ou alors on va dire comme les gambiers, des bois violents quoi. Alors on a eu la chance d'avoir le prix Binding, qui était une fondation qui remet un prix par rapport aux forêts. Le thème est choisi chaque année, et en fait c'est les inspecteurs qui nous inscrivent à ce prix. Donc nous, nos aïeux ont laissé beaucoup de vieux et gros arbres. On a le musée de la limace, où les bois sont très gros. Et ces bois-là, ben, ils n'ont jamais été abattus. Ils sont juste entretenus au point de vue sanitaire, c'est-à-dire que si vraiment on a une attaque de bostriche ou quelque chose, on soigne ces arbres-là. C'est des arbres qui ont plus de 300 ans. Et puis en fait, là, on parle de plus en plus de biodiversité, mais ces gros arbres, ils ont beaucoup de coléoptères, de mousses, de lichens et des choses-là que seuls eux ont, si on veut bien, par rapport à leur grand âge. Et puis en 2010, j'ai fait le projet de créer ce sentier des géants, que tout un chacun puisse circuler dans cette forêt et puis découvrir cette magnificence de ces arbres, quoi, cette grandeur. Alors, le sapin président, il est dénominé comme ça parce que c'est le plus grand et le plus gros de cette forêt de la limace. Donc en grandeur et en mètre cube et en diamètre. Et il continue à prospérer. Malheureusement, on n'a pas mis le chiffre de 2016, mais il continue à pousser, à grossir, malgré son grand âge qui doit être autour des 300 ans. Quand on a la commission de gestion des montagnes, on finit toujours la commission au pied du sapin président. On boit la verreille, donc je me verse un verre, et puis je verse la golette à notre ami sapin président. Et santé président, prospérité. La première chose, on essaie de la nature. De laisser la nature se débrouiller toute seule.
on peut replanter suivant les tempêtes ou les changements d'essence qu'on veut. Hein, par exemple, ici à La Limace, on essaie de travailler très près, le plus proche possible de la nature, avec le naturel. C'est très difficile parce qu'on a du méga forbier. Hein, on voit ce petit épicéa qui a réussi à sortir, mais il pousse sur une vieille souche. Au sol, c'est très difficile. Donc on devra peut-être l'aider la nature en plantant des petits nions par-ci, par-là, où il y a de la place pour qu'on puisse avoir des épicéas et des sapins dans cette belle forêt. Voilà, on est dans une zone où on a mis de la lumière pour avoir du naturel. Hein. Donc on a du sapin blanc qui vient, on a un petit peu de saule, un peu de peuplier tremble et de l'épicéa. Le problème qu'on a, c'est qu'avec le chevreuil et le chamois, le sapin blanc a la peine à sortir. Car le chevreuil et le chamois viennent tout abroutir les bourgeons, les cimes. Et c'est pour cela que l'on a dû, qu'on essaie de sauver quelques-uns par groupe en mettant des corbeilles pour éviter que le chevreuil nous broute les bourgeons. On a la chance d'avoir un canton, une confédération qui nous subventionne. Et puis là, à Beaume, moi j'ai des gens qui aiment la forêt, que la forêt a payé le collège, l'hôtel de ville et tout ça en son temps. Donc maintenant, ils disent bien, c'est un autre port aussi de donner un petit peu à cette forêt, quoi. Alors Joël, cette magnifique forêt de Beaume, il faut rappeler que le public peut venir librement la découvrir. Quels sont les bons plans de balade que tu peux nous proposer? Alors le meilleur, c'est le tour des aiguilles, hein, qui se fait d'un bout à l'autre, avec un chalet d'alpage où on peut manger des bons plats avec du fromage. Et puis on a une vue sur les forêts françaises, sur les forêts de la commune, sur la plaine et puis sur la magnifique chaîne des Alpes. Donc là, c'est un joli truc. Et puis, allez sur le site internet de la commune, où vous pouvez voir les arbres remarquables et faire un parcours de géocaching. Merci pour ces précisions. Merci surtout à toi de nous avoir fait découvrir ce magnifique domaine forestier. Quant à nous, chers amis, on va se retrouver très vite pour de nouvelles aventures. Merci pour votre fidélité. Et comme le sapin président a été sympa et qu'il n'a pas vidé la bouteille, eh bien nous, on peut se dire santé. Santé, avec plaisir. Ciao. Ciao. Comment est cette attitude? Après le triage de champ d'or, Zic. C'est pas Bigobi. Il y a que moi maintenant. Ouais. La tête de dette. Mais la commune de Beaume, où nous nous trouvons aujourd'hui, en protège plus de 7000 sur...